3 avril 2000, dans 3 avril 2018, ça fait 18 l'année depuis bandit exam assassiné devant local radio Haïti Inter, journaliste Jean-Léopold Dominique à Gadier Station 1, Jean-Claude Louis-Saint. 18 l'année après, la justice pour faire lumière sous crime ça. Ministère de communication recevoir lundi avril la secrétaire d'État financement Ronald Décembre à directeur général DGIA Miranda Morland sous processus paiement à déclaration en ligne. À l'étranger, après annonce l'amour, environ 200 personnes rassemblées devant Kaya Winnie, m'a dit qu'ils étaient la Mandela, m'a dit 3 avril 2018 là, une façon pour un hommage au gouvernement sud-africain en mode funérailles nationales pour Winnie Mandela. Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour entrer la caillou et présenter au journal Mi-temps Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là, c'est le moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques Journée. Nous invitons à suivre. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble. Nous, en début de mois et début de semaine, nous sommes avec chaque monde un bon mois d'avril. Et moi, ça, c'est un mois qui est très instable, activer la vie pour mettre pendant moi ça, comment la situation est pour jeudi. Nous avons un creux en altitude qui trouvait entre Haïti et Cuba, que ça l'a décalé vers l'est région, mais Haïti toujours en bas, instabilité pour jeudi. Et Jean-Noël sous masse d'air là, c'est un masse d'air qui humide sous pays. Et c'est pour ça qu'on a bien quelques activités la pluie pour jeudi. Et département qui a concerné Jean-Noël, c'est département Artibonite-Centre, toute région sud, c'est-à-dire la Grand'Anse, le sud, le sud-est, il y a concerné par activité la pluie pour aujourd'hui. Et la pluie, ça aussi de la pluie qui a faible à modéré en fin d'après-midi, en soirée et même au cours de nuit là. Et demain encore, on a bien même activité la pluie, surtout sous Artibonite-Centre et puis l'ouest avec Grand'Anse et sud. Pour capitale avec zone qui environne son capital qui en bas instabilité avec nuages qui a développé et situation ça a perduré au cours de soirée et nuit là, ça veut dire qu'il y a quelques averses à vie isolées faibles qui étaient possibles sous certains quartiers dans la capitale là pour assurer sous Port-au-Prince avec zone qui environne lieu. Donc la température qui a monté jusqu'à 32 degrés aujourd'hui et puis la descente c'est 22 degrés Celsius. Pour page maritime là, la mer est très calme, c'est une mer qui peut agiter et agiter sous la région nord, mais pour Golfe de la Gonâve et région sud pays d'Haïti, mais elle peut agiter et capitaine d'embarcation est capable de naviguer correctement. Seulement, par rapport avec quelques activités d'appui, il y a quelques zones, visibilité à carré du mais pas de souci pour naviguer parce que nous avons une mer qui vraiment peut agiter près des côtes. Pour page astronomique, sur la couche aujourd'hui à 7h03. Et la pleuvée demain matin à 6h41. Sur le météorologique là, merci pour faire tout avec patience. On va croiser demain pour notre page météorologique. Merci William Polidor, Jean t'ai annoncé le titre. 3 avril 2018, fait 18 l'année depuis journaliste Radio Haïti Inter Jean-Léopold Dominique, à gardien local radio A, Jean-Claude Louis Saint, Mourian Babal, bandit à exam. Jeudi, lumière pour que Jean fête sous Zaxa. Jean-Léopold Dominique avec Jean-Claude Louis Saint. Il y a un dossier qui trouvait le pourquoi il est là devant la Cour cassation. L'autre information dans le journal, ça a député circonscription Fond Verret là, Pierre-Jude Destiné, avec député circonscription Chambellan, Jackie Guerrier, exprimé satisfaction yo, après exécutif là, fin installé membre comité pilotage état généraux sectoriel là. Des parlementaires yo parlé sous nécessité pour gagner chutant parler en toute petite nation. Pour y rejoindre une entente dans l'intérêt national là. Député Guerrier et député Destiné étaient dans le micro fait en confident avec Moïse Wilwitch. Comité de pilotage des États généraux de la Nation qui prend naissance mercredi dernier dans le Palais national que le président Jovenel Moïse, ce chef d'État-nation, ça, le météo là, il a un mandat, il a une mission de travail pour 6 mois pour pouvoir produire un travail. Côté il y a un pack capable de garantir stabilité politique, sociale, économique et culturelle dans le pays.
pour le travail, je pense que le président est supposé avoir l'agenda. Il est supposé avoir le mandat. Ce n'est pas moi-même qui a donné le mandat à la commission. Même ça, je connais que la commission est supposée utile pour avoir des problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes culturels, problèmes politiques dans le pays. Ça va permettre pour toute couche sociale, au Chita, pour résoudre tous les problèmes. C'est une belle initiative parce que nous avons un pile leader politique. Et qui a prôné depuis des années et idée ça. Mais nous connaissons pile monde qui vient, qui parle, il n'y a pas jamais fait action, mais au moins et nous avons un chef d'État qui prend décision et les lancer un comité pilotage des États généraux sectoriels. Et raison, nous disons c'est un bon bagaille, quoi. Nous avons fait référence avec un pile de pays qui viennent gagner trop de démocratie, qui ont une grosse économie. Et ils ont toujours, c'est une série de décisions comme ça qui nous prend. Et nous avons pris un exemple, et la République dominicaine qui est tout près de nous. Nous avons songé là récemment, avant Balaguer, nous avons songé dans quel état ces domaines payés. Mais c'est eux qui ont chuté ensemble, ils ont dit. Mais qui orientation y a pas pays yo. Et je dis, non même en tant que haïtien qui partage même il avec yo, nous témoins émergence yo. C'est parce que il y a un groupe d'hommes et femmes d'État qui chita dans différents secteurs, yo dit mais qui orientation y a pas République Dominicaine. Et retombéant, après on série des résultats positifs. Toujours sous même dossier, étudiants dans l'Université d'État d'Haïti saluent décision président République la Jovenel Moïse prend pour mettre sous pied comité pilotage avec secrétariat technique organisation État généraux sectoriel là. Étudiants Sayo dit yo souhaiter comité pilotage là arriver réuni tout secteur en vie nationale là pour poser problème et puis joindre une façon pour développer pays a. Saint Croix Paki a dit nous plus dans reportage. Étudiant Sayo cap étudier sciences politiques dans l'Institut national d'administration et gestion haute études INAGE salue démarche président républicain Jovenel Moïse l'a décidé former comité pilotage avec secrétariat technique organisation état généraux sectoriel là. Étudiant yo de notre côté souhaitait comité arriver remplir mission comme ça doit. C'est chita avec tout en bas pays. C'est chita avec les associations de CASEC, magistrats, sociétés paysannes, etc., les partis politiques, pour essayer d'identifier ensemble des problèmes que le pays a fait face et venir avec des recommandations. Et si je dis au gouvernement de passer à prendre quelles mesures pour entendre au niveau politique, au niveau économique et social même en Haïti. Étudiants ont encouragé le comité pilotage là pour rencontrer tout secteur dans la vie nationale là. Dans l'idée pour bailler pays, il y a une autre orientation. Si tout le monde mettait d'accord ensemble et qu'il y a complètement divergent dans tout secteur, nous sommes sûrs d'avoir une amélioration. Ça que nous avons souhaité pour pays, c'est bannir totalement tout divergent qui part mener nous en quelque côté. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales, vu avec le genre de problèmes qu'on a confrontés dans la société de nos jours. Le fait que choisir par des mesures pour répondre avec un ensemble de besoins, un ensemble de bagages de société à résoudre des problèmes, je pense que ce n'est pas normal. Mais le problème qui se pose, c'est que et comment ça fait et qui suivit. Comité pilotage État généraux sectoriel là, gagne 6 mois pour produire et puis remettre président de la République là, il y a un pacte pour stabilité et progrès socio-économique pays d'Haïti. Merci Paki ak Micho. Coordination Alternative Haïti, nan tête collée à groupe action francophone pour environnement GAF, lancé lundi 2 avril la 4e édition Village Alternative. Si ak 7 avril nan commune Inch ak nan bassin Zim. Activité ça visé réunir plusieurs projets ak mouvement alternatif local nan lutte contre changement climatique la. Yon reportage ak Talent Delphin. Exposition semences locales avec photos, projection documentaire, conférence débat, éducation sur environnement, visite guidée, témoignage, ces diverses activités qui prévoient dans programmation 4e édition Village Alternative dans plateau central.
C'est à l'occasion pour plusieurs acteurs dans différents secteurs dans la société, avec représentants d'organisations, associations, institutions publiques ou privées réunies pour réveiller la conscience citoyenne sur l'importance de la responsabilité dans la préservation de la planète. Là. Malgré ce thème agriculture, 404e édition, ça n'a pas empêché plaidoyer pour stopper production, importation et utilisation de produits en fourmis au campé, d'après président groupe Action Francophone pour Environnement, David Tillus. À travers Village Alternative, participants et organisateurs sont capables de proposer de nouvelles solutions sur l'énergie, alimentation, gestion fatra et puis exiger l'État à prendre décision sur l'urgence transition écologique et énergétique dans le pays. Et 4e édition la permet pour nous capables de consolider le mouvement Alternative. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, synergie Cabral Guerre dans 3 éditions qui ont été réalisées. Nous allons vivre ça dans la 4e édition. Parce qu'il y a bien monde, des acteurs qui était là dans deux et première édition qui était faite dans Kesko, troisième édition qui fait dans Saint-Soleil, acteurs ça yo, ils vont descendre pour continuer travail avec collectif Alternativa dans 4e édition. Et ensemble, bon ensemble d'actions stratégiques qu'a défini sur territoire yo. Côté que monde qui était en Alternativa déjà, monde qui était déjà vive Alternativa déjà, il va témoigner sur qui ça mouvement ça a apporté pour yo, le fait que yo appartenu sur territoire yo, dans organisation yo, la caillou qui ça fait changer. Mouvement citoyen ça qui prend naissance dans continent Europe là pour appliquer résolution qui te prend leur COP 21 hein? Déjà recevoir plus passer 9000 visiteurs avec une centaine d'exposants dans 3 dernières éditions Village Alternative qui t'est fait 15 coffres avec Cité Soleil. Yo recevoir tout 61 initiatives sur environnement avec diverses rencontres avec élus locaux. Dans le cadre 37e conférence le lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi de avril là, secrétaire d'État en finance Ronald Décembre avec directeur général Impoa Miradé Morlan. Dans l'occasion, intervenant yo parler sous processus paiement avec déclaration en ligne. Rachel Saint-Fort dans rencontre en dit. Service pour faire déclaration et puis payer en ligne disponible à partir de ça www.dgi.gouv.ht d'après responsable direction générale Impoa. Service ta valable pour moun ak entreprise. D'après secrétaire d'État financement Ronald Essam, opération ça arrive possible grâce à un accord tripartite Banque République d'Haïti BRH signé à diverses banques commerciales tant que BNC, Soge Bank, Unibank, Capital Bank et ministère économie et finance. Ou entrer sur DGI www.dgi.gouv.ht ou connecter à système DGIA ou rempli formulaire d'impôt que vous voulez remplir. Si c'est déclaration définitive d'impôt à remplir, vous montez sur formulaire déclaration définitive d'impôt. Si c'est patent à payer, vous montez sur page qui est liée à patent. Si c'est taxe salariale, si c'est impôt sur bénéfice, si c'est prélèvement à la source, eh bien, toute possibilité ça yo offrir à contribuable là pour le capable de faire paiement en ligne. Mais pour paiement ça a fait, il faut contribuable là capable grand banque côté que le grand compte la donne le fin rentrer rempli formulaire là et bien li téléporter formulaire là sous banque côté que le gain comme que le cap payer le fin voyer formulaire sous banque là recevoir formulaire là et puis banque là fait un spill voyer by BRH BRH accusé montant, alors forme de contribuable ça, bité, et puis la crédité contre trésor public. Pour montant et impôt, contre trésor public crédité, yon retourne par contribuable là, yon forme d'encaissement qui dit que contribuable ça, il paye impôt. Nous-mêmes DGI, nous avons souci pour nous capables toujours offrir des services de proximité à contribuable avec nouveau système que nous prenons mettre en place. Nous connaissons que même Jean le fait dans la douane, il y a une transaction pour le faire dans la douane, il faut que vous gagnez un beau cœur. Côté que vous mettez à la disposition pour faire qui pour aider au rempli et opération ça. Et bien dans DGI tout, il faut que nous gagnions un monde qui
qui agréé et que nous mettons, nous il faut passer par la DGI quand même pour nous capables de bailler accès dans le système. Nan. Directeur technologie, direction générale impôts Serge Rosenthal, explique responsable DGI a déjà commencé le travail pour offrir contribuable une série de services additionnels à partir de téléphone. Yo. Ça, c'est une première itération de paiement en ligne. Là. D'accord? C'est première génération paiement en ligne DGI. Hein? Et qui pral vin là. Jean DGI dit, nous pral gagner de on nouvelle et génération qui pral venir très bientôt, qui pral venir avec une série de l'autre services additionnels. OK, parmi lesquels nous pral gagner possibilité pour nous joindre certificat de patente et de quitus directement à partir de nouvelle plateforme ça. Nous pral capable et faire des paiements à travers le téléphone nous. D'accord? Donc si par exemple nous gagnons et nous besoin on paye un certificat de bonne vie et mœurs ou bien nous besoin payer un thème passeport, nous pas obligé venir dans DGI hein? Et je nous connais un pile monde qui pas gain accès à internet tout. Parce que ça son plateforme qui disponible directement sur internet, mais DGI dans un souci pour bailler tout contribuable service, libéral mettre de service pour monde qui peut-être qui pas même gagner qui n'a pas une capacité pour aller sur plateforme ça. Directeur général impôts a fait qu'on est à travailler pour moderniser le système non, et puis améliorer la qualité de service et offrir la population. Nouvelle disposition, ça vise de réduire l'attroupement dans le bureau de GIO et puis porter le service là plus près de la population. Directeur général impôts Mirade Morland a annoncé une prolongation jusqu'à 30 avril comme délai pour question droit faire marge avec impôt locatif. Mirade Morland invite tout le monde qui n'est pas en règle à régler, pas tomber en bas sanction la loi. Il invite tout le monde qui a exploité bien l'État, qui n'a pas de papier, pas se légaliser pour enregistrer dans le système. Nous invitons à suivre un bout dans la déclaration. Je vous rappelle, contribuables, que nous avons un délai pour question de droit de fermage et impôt locatif qui a pris fin le 31 mars. Toujours est-il, dans bonne foi, dans quatre bonnes fois direction générale là nous décider pas en prolongation jusqu'au 30 avril tout le monde qui censé c'est fermier de l'État ou bien un monde qui pas qu'au fermier de l'État qui t'a même vinn fermier de l'État parce qu'on déjà bon bien l'État dans monde déjà va exploiter ou bien jusqu'au 30 avril pour venir mettre en règle avec le fisc. Nous pral tande le pral ouler sur et nous on spot publicitaire qui va parler de et moun ki pa vin paye yo, moun ki se fermier pour yon raison ou pour yon l'autre yo pa vin paye DGI, et bien DGI gen toute autorité li pour le faire pour le rapatrier bien ça nan mon, parce que nous pa capable exploiter bien l'État comme ça et que nous connaissons l'État pour l'exister, c'est ou même qui vous contribuez et puis ou pas les payer l'État le ça nous pas pa, personne monde cap dit nous rien et que la loi avec la loi non mais nous n'a pas capable river effectivement rapatrier bien l'État qui dans mon an qu'on pas payer pour monde tout cap fonctionnant clandestinité, c'est-à-dire qui pas et pas vrai monde connaît nous pral chercher yo. Nous allons chercher eux depuis qu'on a nous qu'on a une brigade nous qui dehors automatiquement nous joignons nous ça c'est maonage t'a fait, c'est évasion t'a fait, et bien la loi dit comment pour nous capable arriver traiter avec nous ça. L'autre nouvelle, député circonscription Thomas Sikla Francisque de la Cruz dit qu'il y a nécessité jeudi pour gagner un remaniement dans le cabinet ministériel là. Parlementaire a estimé qu'il y a plusieurs ministres qui n'ont pas appliqué le fédéral de gouvernement et Bayo, ça qui la cause plein en mitan population. Député Francis de la Cruz souhaitait un remaniement qui fait pour le président Jovenel Moïse qui répond à la campagne qui a été faite population. Il y a un extrait dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Remaniement, président lui-même, il y a une volonté pour capable de faire parce que nous avons un problème avec le résultat du gouvernement Baila. Certains ministres, nous connaissons dans le gouvernement qui n'a pas de résultat. Nous-mêmes, comme députés sénateurs, nous sentons que nous ne sentons pas à l'aise parce que nous ne sommes pas atterris vraiment. Donc, c'est parce que nous connaissons pas de résultat et nous avons espéré. Nous avons quitté Baba ici, nous avons fait un coup de pied dans le département nord-ouest sans pays.
Député circonscription Bassin Bléa Denis Saint-Fort procédé à une série distribution qui gagne plusieurs produits par population Bassin Bléa sorti samedi 31 mars là pour arriver 2 avril 2018 là. Geste ça rentré dans le cadre d'un volonté parlementaire pour accompagner votants yo qui trouvaient yo dans une situation difficile d'après député Denis Saint-Fort. Mac Edi Osam pour détail. Pendant distribution sa yo, environ yon vingtaine chef Banrara te recevoir lampe solaire ak plus passé 1200 moun ki te bénéficier kit alimentaire. Kit sa yo ki te gagné du riz, pois, l'huile et spaghetti pour ne citer ça seulement. Action sa, c'est yon façon pour député Denis Saint-Fort accompagner votant yo ka viv yon moment très critique d'après parlementaire. Je dis à m'gade de manière avec Jean-Pierre, c'est un sens à m'aimé qui t'aime fin fait disposant pour me réveiller là. Je dis à m'distribué 1150 kits pour yon assemblée seulement. Très bien tout mal la plate, moustique, causative, mal moustique. Parce que j'ai parlé de député, pas un doigt en développement, pas un doigt faire ça. Et bien ça aussi, m'a fait aucune mal de mission pour député. Alors que yon l'autre catégorie qui c'est agriculteur, recevoir outils agricoles, tant que roue, pelle, manchette, dérapine, accès agricole, cap permet paysan yo aborder puis bien saison plantation qui a peine démarré dans la commune Bassin Bleu, d'après député Denis Saint-Fort. Manger. Mais avec député de Saint-Fort, mon cher, mon yo jeune l'argent, ensuite yo jeune manger, ça vraiment bon. Moi c'est pas outil, moi c'est pas bras, moi c'est pas manchette, moi c'est pas picois. Une belle stratégie député employé pour faciliter paysan travail parce que c'est acheter ou t'as pour l'argent. Alors nous dit député à Metz. Moi, mais spécialement jusqu'au dernier, mais pour bien soir, on prend pas de planter. N'a pas souligné, série distribution ça yo, totalisé 13 distributions, député circonscription Bassin Bleu, Denis Saint-Fort, déjà fait depuis après le défi élu. Dans la dernière élection législative. Depuis commune Bassin Bleu, département Nord-Ouest, Mok Edi Osam, antenne télévision l'État. Merci Mok Edi Osam. La police a arrêté plusieurs individus parmi eux dans la zone Gantier qui étaient portés armes illégales, 4 autres dans la commune Léogane. C'est bilan opération direction départementale Ouest PNH présenté lundi 2 avril là, après week-end Pâques là. Directeur départemental Ouest là. Enregistré aucun monde qui mourit dans le cadre d'opération Sayo. Fait qu'on est bilan ça, montrer engagement à disposition. Police nationale prend pour te bailler population en sécurité pendant le week-end Pâques là. Un extrait dans le micro d'Aline Dorival. La police nationale fait 7 arrestations, 2 hier soir dans Gantier, zone Galette Chambon. C'est un individu qui a interpellé avec. Nous avons Léogane, qui a 5 arrestations, dont 4 pour voie de fait, donc c'était le problème qui était gagné dans le cas d'activité A, pour voie de fait, et Gayoun qui est interpellé, c'est dans tentative de vol de téléphone. Donc les populations ont été interpellées et remettent la police. Donc en ensemble, son bilan satisfaisant. Donc la police nationale, encore une fois, a montré capacité pour être capable de gérer grand événement. C'est sur information ça, on a après on pose dans le journal La Rite branché, on a tout de suite après. Dans le pays l'autre bord de l'eau, après annonce l'Amoa, environ 200 moun rassemblés devant Kaiwini, Madi Kizela, Mandela, Madi 3 avril 2018 là, yon façon pour rendre hommage. Gouvernement sud-africain a mandé yon funérail national pour Winnie Mandela. Nous invitons à suivre yon reportage. Président sud-africain Cyril Ramaphosa et plusieurs ministres prennent direction Kay Winnie Mandela pour rendre hommage à la famille Winnie mardi 3 avril. Funérailles Winnie a bien pour chanter 14 avril qu'a venu là, mais une cérémonie a bien pour fête avant-tellement 11 avril. Winnie Mandela had a great. Winnie Mandela a fait un impact sur le continent africain. Nous te reconnaissons Winnie comme monde qui a gagné un pile courage à qui une femme vaillante. Winnie Mandela a monde qui a campé en quoi pour lutter contre le racisme blanc en Afrique du Sud. Une femme qui a continué la bataille pour Nelson Mandela pendant qu'il était en prison. C'est pour ça qu'il a gagné un petit nom, Maman Nation.
Toujours dans le pays Lord Bodlo, campagne ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva après poursuivre mardi 3 avril 2018 là. Côté Luiz Inácio Lula da Silva qui condamné en appel pour 12 l'année à 8 mois prison, déclaré l'innocent. Nous invitons à suivre l'autre reportage. Deux jours avant jugement, ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva pour corruption et puis dans 6 mois encore, c'est pour l'élection présidentielle. Tension continue à monter dans le pays Brésil. Président de la Cour suprême brésilienne a demandé la paix. Lula da Silva bon côté pas déclaré les victimes de persécution qui sorti bon côté élite yo. Nous seulement voulons pour la Cour suprême non, bail justice. Nous pas voulons tirer aucun bénéfice personnel. Faut le dire qui crime moi commettre. Ancien président brésilien était entouré à 2000 partisans dans Rio de Janeiro côté le déclaré une l'autre fois innocent. Dans le mois de janvier, Luiz Inácio Lula da Silva est condamné en appel pour 12 l'année à 8 mois de prison après qu'il ait fini d'accepter un appartement bol en main dans une entreprise BTP. Entreprise a impliqué dans un scandale qui touchait le groupe public Petrobras. Lula da Silva nie toute accusation. Dans le dossier sport cycliste, deuxième édition, Léo Gana pédalé déroulé 1er avril 2018 là, dans la cité Anacaona. Et puis à l'étranger, Ligue des Champions, Juventus, Real Madrid, FC Séville, Bayern Munich. Ces deux premiers matchs qu'a joué jeudi à dans le cadre compétition ça. Notre information, deuxième édition, Léo Gana pédalé a déroulé journée dimanche 1er avril 2018 là, dans Léo Gana, dans un groupe national numéro 2 à Carrefour, Châtelier. Dans l'occasion, sportif toute qualité l'âge, Tevin montrer l'autre fois encore, bicyclette pas disparaître dans la cité Anacaona et surtout montrer combien monter bécan est important pour la santé. Sportif Silayo est passé dans divers rues dans Léogane, côté activité Sila, t'as pris fin sur place Anacaona. Event gentil, c'est coordonnateur général Léogane à pédaler. En pile monde te croit que c'est au poisson d'avril, bon, heureusement, nous plus que réussi, parce que RTN acheté moins. Li wè en pile moun participe jodi an pendant que genyen en pile moun ki te kwè que Léo Gana pa gen bisiklèt anko. Motivation an sorti non équipe dynamique que nous genyen. Nous genyen yon équipe qui constitué ak ou paquet jeune filles, jeune garçons dynamique, très dynamique. 3 avril 2018, ça fait 18 l'année depuis bandi Axam assassiné devant local radio Haïti Inter, journaliste Jean-Léopold Dominique à la station Jean-Claude Moussin. 18 l'année après, la justice beaucoup fait lumière sous crime ça. Ministère communication recevoir lundi avril la secrétaire d'État financement Ronald Décembre avec directeur général DGIA Miranda Morlan sous processus paiement à déclaration en ligne. À l'étranger, après annonce l'amour, en tant décembre nous rassemblé des bancailles oui, m'a dit qu'ils la Mandela, m'a dit 3 avril 2018 là, yon façon pour un hommage au gouvernement sud-africain en mandé un funérail national pour Winnie Mandela. Et bien voilà, journal l'arrivée dans Boutli. Merci à tout le monde qui t'a suivi, journal ça. Restez branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bon après-midi tout le monde.